Bonjour, moi c'est Manon, j'ai 27 ans, je suis conseiller client en agence d'assurance à l'agence de Cadillac et je vais t'amener avec moi toute la journée pour découvrir mon métier. Allez, c'est parti! Mon agence se trouve dans un village qui s'appelle Cadillac. C'est un village médiéval où il y a énormément d'exploitations viticoles qui sont un peu notre cœur de métier aussi. Voilà, on a beaucoup de clients qui sont viticulteurs. Moi, mon parcours, j'ai commencé par un bac professionnel secrétariat et comptabilité que j'ai poursuivi par un BTS assurance. Je l'ai fait en alternance et j'ai adoré ce métier. Alors, nous sommes à l'agence. Nous sommes 6 collaboratrices et 2 agents généraux. Et voici mes collègues. Donc on a Nathalie qui gère les sinistres et Jennifer qui est commerciale. Bonjour. Moi je suis conseillère client. Allez, suivez-moi. En tant que conseillère client, mon rôle principal dans l'agence, c'est répondre au téléphone, accueillir les clients qui rentrent à l'agence. Je m'occupe de tout ce qui est avenant, auto, habitation. Je gère également le planning des agents. Donc c'est pour l'épisode de grêle qu'il y a eu là au mois de juin. Le contrat est à votre nom, c'est ça, hein? Les qualités pour être un bon conseiller client, il faut être très à l'écoute. On est là pour conseiller au mieux le client et le rassurer sur toute la vie du contrat et être là pour lui en cas de besoin, en cas de sinistre. Les collaboratrices et les collaborateurs sont importants dans la mesure où si elles ne sont pas là, nous ne sommes rien. Un agent général doit être dehors pour accompagner ses clients, mais on a tout le back-office qui doit être réalisé par nos collaborateurs et tristes. Et sans elle et sans eux, on n'y arriverait pas. Bon, et bien ma cliente vient d'arriver, donc on va aller l'accueillir ensemble. Allez, c'est parti. Bonjour Madame Bertrand. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Super, merci. J'ai remarqué que vous n'avez pas de contrat de prévoyance. Si jamais il y a un pépin, que vous devez vous arrêter. Du coup, je voulais faire un petit peu le point avec vous sur tout ça. On va faire une étude. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est ce contact avec les clients. C'est me rendre utile pour eux, leur apporter mon conseil. Manon prend soin de ses clients, je pense, parce qu'elle sait devancer nos problèmes et répondre à nos attentes en 2 temps, 3 mouvements quand on a besoin. C'est vraiment un métier qui me correspond et je n'aurais pas pu faire autre chose, je pense. Bon, ça y est, je suis arrivée à mon rendez-vous. Je vais rejoindre Monsieur Hurtebise qui va me montrer comment se déroule une visite de risque. Bonjour, ça va? Bonjour. Bonjour Manon, enchantée. Vous savez qu'on assure les pertes de vin si jamais le viticulteur a une perte de vin importante. Donc le risque de perte de vin, il est notamment ici. Concrètement, d'être sur le terrain, ça permet d'apprendre vraiment la réalité de ce métier. Et surtout dans ce domaine-là, dans le domaine viticole et vinicole, je souhaite vraiment me perfectionner, me spécialiser dans ce domaine-là, avec bien sûr les conseils et tout l'apprentissage que me procure mon agent, qui devient vraiment mon mentor à ce moment-là. Alors Manon, eh bien, elle est curieuse. Quand elle arrive chez nous, il faut absolument qu'elle puisse s'acculturer, entre guillemets, pour pouvoir réagir au fur et à mesure avec une autonomie importante. On n'y est encore pas et c'est complètement normal. Du haut de mes quelques années de plus, j'en apprends encore tous les jours dans ce métier. Magique pour ça, avec toute la curiosité qu'il applique. C'est ainsi que se termine ma journée sur ce rendez-vous. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi et que tu as pu en apprendre davantage sur mon métier. Allez, à bientôt.